D'abord, elle évalue et elle critérise les situations pour lesquelles nous sommes interpellés. Nous avions discuté dans notre commission exécutive, hein, qui est l'organe de décision de la MDPH, que pour le démarrage, nous allions quand même un peu critériser hein, les situations parce que personne n'avait vraiment, ne mesurait vraiment le format de ce qui nous attendrait dans cette possibilité de nous appeler pour des situations complexes, mais aussi pour des entrées en établissement qui ne se faisaient pas, etc. Donc on avait choisi déjà de se limiter à ça pour déjà observer un petit peu ce qui se passait, nous permettre de nous organiser et puis petit à petit démarrer, j'allais dire, la machine. Lorsque nous avons reçu cette interpellation, nous avons mesuré la criticité au sein d'une équipe dédiée hein, qui va étudier effectivement si oui ou non cette situation elle est complexe, souvent c'est le cas, elle est critique, c'est-à-dire est-ce qu'on doit intervenir tout de suite, est-ce qu'elle est tenable, pardon du terme, mais est-ce qu'on veut encore différer certaines choses ou est-ce que nous devons agir vite, rapidement et en partenariat avec les autres. La grosse différence, je pense, avec la réponse accompagnée pour tous, c'est que nous, dans cette commission, nous travaillons surtout dans l'urgence, ce qui ne doit plus être le cas dans la réponse accompagnée pour tous. On travaillait dans l'urgence, on travaillait avec une partie des acteurs, mais pas tous, et nous avions une réflexion, je ne vais pas dire ponctuelle, mais personnalisée, c'est-à-dire qu'on répondait à une situation sans véritablement réussir, et c'était pas le but à l'époque, d'avoir une vision globale, et de réfléchir en fonction des profils et des problématiques communes. Donc c'est vrai que la différence entre cette commission-là et tout ce travail qui est mis en place depuis pour la réponse accompagnée pour tous se situe là. On est davantage sur des situations et une réflexion globale et non plus ponctuelle. On réfléchit en amont et non plus dans l'urgence. Et à mon avis, c'est là que se mesure le progrès par rapport à cette commission. Au niveau du PCPE, l'Agence régionale de santé, dans le cadre de la pandémie, bien sûr, a ciblé le public, tout type de public, c'est-à-dire c'est tout âge, tout handicap. Je trouve ça assez intéressant par rapport à notre zone d'intervention au regard du public. Au niveau de la zone d'intervention géographique, on a fait le choix dès le départ de pouvoir intervenir sur l'ensemble du département de la Somme, parce qu'effectivement on a repéré des situations de rupture qui étaient en dehors de l'arrondissement d'Amiens, qui était le territoire cible dans le cadre de cet appel à candidature. Et au niveau du fonctionnement, par rapport à la composition de l'équipe, on a fait le choix d'une composition dans le cadre d'une approche plutôt pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux fois le même métier. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte d'embaucher des professionnels qui avaient une particularité, une spécificité par rapport à leur formation initiale. Donc on a un chef de service, un médecin coordinateur, une éducatrice spécialisée. Je vais illustrer une situation qui a posé problème par rapport à la dynamique partenariale. On n'est pas sur une situation où la solution du coup est une place. Bon, en l'occurrence, c'est un passage du monde adulte, du monde enfant et du monde adulte. Donc, c'est une adolescente de 17 ans qui est accueillie en IME. La situation s'est dégradée pour différentes raisons. Une équipe qui s'est essoufflée, avec une famille qui se retrouve en difficulté à domicile, notamment par la recrudescence des troubles hétéroagressifs. Un début de projet avait été pensé sur le passage IME vers un établissement médico-social. Au regard de la situation, les partenaires concernés n'avaient pas forcément été invités ou identifiés, donc il n'y a pas de début de projet par rapport à cette situation. Un groupe opérationnel de synthèse a été
mis en place, hein, suivi d'un plan d'accompagnement global. Et le PCPE a été mandaté, dans le cadre de ce PAG, il a été nommé coordinateur du plan d'accompagnement global. Et ce qui a été intéressant, c'est que les premières interventions du PCPE ont été sur la redéfinition du projet individuel de la personne. Donc le PCPE est intervenu au sein de l'Institut médico-éducatif, a ciblé l'établissement médico-social adulte, et tout en associant la famille. Donc la première intervention était sur une intervention sur une réunion de synthèse, et on a tout de suite mis en place, dans le cadre du PAG, des temps de stage, sous forme de, avec l'accompagnement de l'équipe de l'Institut médico-éducatif, et s'est posé la question du financement des transports. Et l'avantage du POD de compétences et de prestations externalisées, c'est le PE, prestations externalisées, c'est-à-dire qu'on a fait appel à un transporteur agréé dans le cadre de cette prestation externalisée. Alors en termes de chiffres, sur une année de fonctionnement en file active, 24 situations. Sur les 24 situations, 7 situations qui ont trouvé une solution. Sachant qu'une place n'est pas forcément la solution. Et là, dans cet exemple, en fait, il y a eu un déficit d'échange pour différentes raisons. Hein, et le PCPE, en fait, a été facilitateur. C'est-à-dire qu'il a remis autour d'une table l'ensemble des partenaires et on a pu construire un projet au regard des besoins qui avait été bien identifié par la MDPH. Et pour le coup, on est plutôt parti sur un projet multidisciplinaire. Nous avons eu 117 saisines, 91 criticités analysées, parce que des fois, il y a des bonnes indications, donc il a fallu rediriger certaines personnes, mais 91 criticités analysées, 41 situations priorisées. Il y a eu 33 accompagnements renforcés à travers des GOS, groupes opérationnels de synthèse, des PAG, des plans d'accompagnement globaux et l'intervention du PCPE, dont 24 suivis du PCPE. On a beaucoup parlé depuis tout à l'heure des jeunes et surtout des enfants, mais ce n'est pas que des jeunes et des enfants. Ensuite, ce qu'on appelle les jeunes, 22% entre 16 et 25 ans et 20% d'adultes qui ont entre 26 et 55 ans. Au-delà, nous n'avons pas plus de 55 ans. Sur le handicap, nous avons 50% des situations qui concernent le handicap psychique. Alors, 50% des situations, c'est quand même énorme, mais c'est bien là toute la complexité que nous avons à souligner et en fait à travailler pour que nous travaillions mieux ensemble. C'est le besoin du sanitaire. On le voit là, vous voyez, c'est frappant, la nécessité que le sanitaire soit présent avec les acteurs et soit un acteur vraiment de la réponse accompagnée, parce que Madame Silver illustrait tout à l'heure l'histoire de cette société, mais effectivement souvent le besoin de soins ou en tout cas les ruptures dans les parcours de soins, on peut les observer. 34% de handicap mental, hein, déficience intellectuelle, 11% de troubles du comportement et 5% concernant le handicap sensoriel, moteur et polyhandicap. Donc là, on est sur une fourchette plus basse. Et ce qui est important de signaler, et ce qui est souvent la cause de nos interpellations, ce sont les troubles du comportement, hein, qui sont un handicap associé dans pratiquement 30% des situations, et qui vont exposer les établissements de service, l'école, etc. C'est une problématique que nous avons abordée l'année dernière. De nombreux enfants sortaient d'hôpital le jour des orientations IME qui étaient bien sûr notifiées par la CDAPH. Et puis, on a parlé un peu tout à l'heure, et peut-être dans le conseil départemental, on a parlé de la gestion des listes d'attente. Donc, il est vrai qu'on s'est retrouvés démunis. Les situations étaient nombreuses. Donc, c'est déroulé et organisé par la MDPH, cette réunion en juin où tous les acteurs concernés étaient présents. Et on a étudié situation par situation, élève par élève,
voilà, ce qui pouvait leur être proposé pour ne pas rester sans solution, c'est-à-dire que c'était des enfants qui sortaient d'hôpitaux de jour, qui n'étaient absolument pas en capacité d'être scolarisés au collège, et parce que 12 ans contre au collège, c'était quelque chose qui ne leur était pas possible d'affronter. Donc c'était des enfants qui risquaient de rester à la maison, avec des parents qui nous interpellaient en disant bah, « Attendez, on fait comment là ? Parce que nous, si les enfants sont, nos enfants sont sans solution, on travaille, donc on abandonne notre travail, on fait comment ?» Parce que se pose aussi la problématique de la disponibilité des parents et du travail. Donc c'est vrai que cette réunion s'est déroulée de façon très constructive. Chacun a pris une part de responsabilité dans le traitement de chacune des situations. Et on est vraiment, et M. l'inspecteur Lévenu parlait tout à l'heure, de solutions réalistes et réalisables. C'est-à-dire qu'on a fait du concret, de la co-construction concrète. C'est-à-dire ce qui a été dit autour de cette table, on pouvait vraiment le mettre en place. On n'était pas sur, éventuellement, il se pourrait que... et donc cette réunion a bien fonctionné, elle a tellement bien fonctionné qu'on l'envisage à nouveau cette année. Et c'est vrai que la situation de ces ruptures de parcours, mais comme je disais tout à l'heure, qu'on va pouvoir anticiper. Maintenant, on ne va plus gérer ça dans l'urgence, on va se donner le temps en amont de réfléchir à ce qui va être le mieux pour chacun. Je pense que c'est une donnée fondamentale et c'est une réunion qu'on va réorganiser. C'est une écoute, une attention particulière, je dirais, quand on vous sollicite parce que l'équipe a mesuré une criticité, parce qu'elle est en train d'élaborer un plan B, hein, parce que le plan A n'est pas abouti. Donc voilà, on attend ça et je dois dire que très très souvent, voire très majoritairement, nous sommes bien accueillis et les situations que nous présentons, ben, il y a de l'écho hein, auprès des établissements parce que je pense que tous, qu'on soit associatif ou qu'on soit fonctionnaire ou qu'on soit de la MDPA, du GIP, on travaille tous pour un public qui est un public, j'allais dire, qui est défavorisé aussi hein, parce que la vie n'a pas donné toutes les chances. Donc on travaille tous dans le même sens. Et c'est aussi cette veille active et cette attention particulière, c'est toujours Thibault qui dit ça, et auprès des personnes qui sont en liste d'attente, qui sont derrière la porte, et ces familles qui attendent, et ces gens qui attendent, et pour lesquels, ben voilà, il y a besoin de préparer quelque chose et d'être attentif.